Bonjour, je suis Mariano Delgado, doyen de la faculté de théologie de Fribourg en Suisse. Et j'aimerais vous présenter notre faculté. Elle était fondée en 1890 et dès le début, elle est intégrée dans l'université publique de Fribourg. C'est-à-dire que leurs diplômes sont reconnus par l'Église, mais aussi par l'État. Notre faculté est marquée surtout par l'internationalité et le bilinguisme. L'internationalité, ça veut dire que tous les membres viennent de différents pays, les étudiants et aussi les professeurs. Et bilinguisme signifie que l'offre d'études est faite en français et en allemand. Ça, c'est unique dans le monde. Nous avons des voies d'études en théologie catholique, aussi avec des spécialisations œcuméniques et aussi des voies d'études en études en théologie. La faculté de théologie de Fribourg est la plus grande faculté de théologie en Suisse, avec 500 étudiants et 21 professeurs. La faculté de théologie de Fribourg est un excellent lieu pour l'étude et la vie académique. Notre faculté est marquée par la vision de la théologie qui préconise le pape François dans le préambule de la Constitution apostolique Veritatis Gaudium. C'est-à-dire une théologie qui combine de manière curieuse et créative innovation et tradition nova et vetera, qui est ouverte aux évolutions et qui écoute les signes du temps au service d'un nouvel humanisme. Notre faculté est marquée par l'internationalité et le bilinguisme français-allemand. C'est pour ça qu'il est important d'être dans la Fédération internationale des universités et des facultés théologiques catholiques.